Bonjour, je suis Nolwenn Femme, infirmière anesthésiste et fondatrice du projet Les Petits Doudous à Rennes. Je suis très engagée pour l'hôpital public et c'est pour ça que j'ai accepté d'être la marraine de la promotion des élèves directeurs d'hôpitaux. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un de leurs projets qui devrait vous plaire. Ici, on est à Rennes. Rennes, c'est une ville de cœur pour moi. Préfecture de la région Bretagne, c'est une ville charmante par son architecture, pleine de vie grâce à ses étudiants. Il y a tout pour y être heureux, mais aussi pour devenir directeur d'hôpital. Et oui, ça, c'est le HESP, une école qui forme notamment les directeurs et les directrices d'hôpital. Eux, c'est les Camus. Ils sont 83, ils ont un projet. À partir de janvier prochain, ils seront chacun en stage dans les hôpitaux aux quatre coins de la France. Ils ont une idée, organiser un tour de France des hôpitaux, un relais vidéo entre leurs différents lieux de stage où chaque élève partagera avec vous l'une des forces de son hôpital d'accueil. Laissez-les vous expliquer leur motivation. Parce que le Tour de France, c'est l'incarnation de la logique de parcours qui doit structurer notre système de santé. Parce que la mobilité fait partie de notre engagement. Parce que j'aime l'hôpital public. Parce qu'on tenait à illustrer la diversité de nos établissements et de nos territoires d'accueil. Parce que nous souhaitons mettre notre enthousiasme et notre dynamisme au service d'un projet qui fait sens. Parce que la jeune génération se mobilise pour le service public hospitalier. Au-delà de nos différences d'âge et de nos parcours, montrer notre engagement pour le service public était une évidence. Parce que l'hôpital public mérite toute votre attention. Sportifs, unis, motivés, dynamiques, ils ont la même envie de s'engager pour l'hôpital public. Parce que l'hôpital le vaut bien. Retrouvez-les à partir de janvier 2019 sur les réseaux sociaux et surtout, ne ratez aucun de leurs épisodes. Parce que j'aime l'hôpital public.